Burger, McDo, centre-ville, tu sais c'est où? Ok, une demi-heure. Pour même pas te pointer. Sérieux, je vais te faire barrer partout à Trois-Rivières. T'en trouveras plus une. Allô? C'est 140 pour une heure ou 80 la demi-heure? Est-ce que tu veux prendre un rendez-vous? Oui, mais c'est 50 de plus. T'es-tu en train de te crosser? Un petit pervers. Allô? Hey, ça va faire le niaisage? Maudit douchebag! Ok, parfait. Je vais être là dans une heure.
Bonsoir, monsieur Villeneuve. C'est Ariane. Ouais, c'est bien. Concernant le loyer, je vais avoir un petit peu de retard. Allô, maman, c'est moi. Ben oui, ça va bien, toi? Ouais, ben. Maman, j'aurais une service à te demander. Je sais que tu m'as beaucoup aidé ces derniers temps, mais je pense que tu peux me prêter un peu de sous encore. Ouais, je sais que ça fait 2 mois. Je fais ce que je peux. Je suis désolée, j'ai des petits problèmes ces temps-ci. Non, je sais bien, mais tu sais, la job, ça va pas bien, là. Ils vont couper des heures, pis. Bon, oui, travail autonome, je t'avais dit que je me lançais là-dedans. Ok, mais c'est pas. C'est un peu difficile au début, hein, je le sais. Je sais. Mais on pourrait peut-être trouver un arrangement qui nous conviendrait tous les deux. Non, 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 vous avez raison, hein, l'argent. Je vous amène ça le plus vite possible. Bonsoir. Je vous assure. Ce soir, je peux pas. Ok? Faudrait que je parte bientôt. Oh. On peut remettre ça? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Tu veux-tu appeler un taxi? Ben oui, je peux t'en appeler un. Tu veux pas t'être déplacé pour rien, je peux te faire un job peut-être. T'es sérieux? C'est un super beau moment. Mm-hmm, bon, ben, je vais te laisser aller à ton urgence. Mm-hmm, ouais. Tu commences à presser. Bon. Bon. Bon, bon. Bon, ouais. Bon, mais je vais te rappeler. Mm-hmm. Oh, oui. Ça va, là? Ouais. Bon, ta porte. Oui, ben oui. Mais là, là, les femmes, là, vous voulez quoi exactement, là? Hein, parce que vos grands-mères, au lieu d'apprécier leur chance, ils ont brûlé leur brassière pour pouvoir devenir égales aux hommes, OK, là? C'était déjà ridicule à l'époque, mais au moins, il y a eux autres, ils ont réussi à gagner leur point. Puis là, aujourd'hui, vous passez votre temps à chialer. J'ai plus de temps avec mes enfants. Je peux pas rentrer tôt ni partir tard. Mon fils est malade. J'ai pas de gardienne. Bla, 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 bla. Tout plein de raisons, mais c'est vous autres que vous travaillez, là. Assumez-vous donc un peu, là. Parce que sinon, c'est nous autres, les hommes, qui devraient rester à la maison, là, puis on va se faire vivre comme vous le faisiez avant. Hein?
colle pour même pas te pointer. T'es-tu en train de te crosser? Hey, ça va faire le niaisage? So my mom.